Il est sorti du stade sous les ovations du public à la 83e minute. Preuve s'il en était besoin que l'ancien pensionnaire de l'école de football des Brasseries du Cameroun a conquis le difficile public du stade Amadou Ahidjo. Titulaire surprise contre la RDC, Clinton Thier, 21 ans, en avait marqué pour sa première avec les Lions lors de la victoire de Lubumbashi 2-0. Finte a encore parié sur le jeune Lyonnais contre la Côte d'Ivoire. Il a bien fait. Sur son aile gauche, il a fait des misères aux éléphants, inscrivant un doublé. À la 14e minute, il a débordé et a marqué d'un tir dévié par Aurier. À la 76e minute, il a contrôlé de la poitrine un ballon aérien d'Aboubakar Vincent et a expédié une frappe sous la barre de Barry Kopa. Auparavant, il avait adressé une passe décisive d'Aboubakar Vincent à la 53e minute. Un peu plus tôt, il avait vu l'arbitre refuser son but pour un hors-jeu contestable à la 18e minute. Clinton Thier voit le jour le 15 août 1993. Après avoir convaincu au sein de l'école de football des Brasseries du Cameroun, il sera enrôlé par le centre de formation de Lyon. Quelques années plus tard, il fera son premier match chez les professionnels en Ligue 1, le 28 novembre 2012, lors d'un match face à Reims à Gerland. Defeating their Europa League qualifier on Thursday means that they'll be without European football for the first time in 18 years this season. It was, however, they who started the game more brightly here. A chance for Clinton and G there, denied by Johan Carrasco. Le 29 mai 2013, il signe son premier contrat professionnel en faveur de l'Olympique Lyonnais. Le 19 avril 2014, il est remplaçant lors de la finale de la Coupe de la Ligue, mais ne rentre pas en jeu. Le 7 août 2014, il marque son premier but en professionnel contre le FK Mladá Boleslav pour une victoire 2-1 lors du match retour du troisième tour préliminaire de Ligue Europa. Et ça passe. Et ils sont 5 à attaquer les Lyonnais. Clinton Ngie pour son premier but sur les poteaux. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. La qualif était déjà là pour l'OL. C'est la victoire maintenant qui se dessine pour les Lyonnais. Premier but en pro pour lui. Oui, on peut dire même un drôle de but, Julien, parce que d'aller chercher l'extérieur. Parce que c'est extérieur pied droit qui va aller chercher le petit filet. On peut penser qu'il y avait peut-être plus simple pour lui. Regardez, là, il emmène son ballon et il va chercher hop, extérieur au sol. C'est pas simple comme décision, c'est quand même presque même, vous voyez, assez étonnant pour un jeune joueur de temps. Le 10 août 2014, il provoque un pénalty contre Rennes qui sera transformé par Alexandre Lacazette lors de la victoire 2-0. Avec un bilan de 3 buts en 2 matchs, Clinton Thier connaît des deux buts très encourageants en équipe Fagnon. Ayant gravi tous les échelons dans les catégories jeunes, il prouve désormais chez les seniors que son jeu est presque arrivé à maturité. N'eût été le ballon perdu qui a conduit l'égalisation ivoirienne, il aurait fait un match parfait. S'il continue dans sa marche de progression, sa vitesse et sa technique va faire beaucoup de bien aux Lions indomptables, pourvu qu'ils ne se prennent pas la grosse tête. Toda la banheira.